ça va? J'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien pour vous et que ça va comme vous voulez. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis toute seule. Ils sont déjà descendus dans le parking. Comme d'habitude, je suis la retardataire de service. Et vu qu'on n'est pas trop pressé, qu'on est assez en avance, je prends le temps de faire les 2-3 derniers petits rangements. Puisque mon mari a mangé, mais il n'a pas débarrassé l'assiette de table, ni son verre. Les enfants m'ont laissé quelques jouets traîner dans le salon. Je déteste sortir en laissant l'appartement en bazar. J'aime bien rentrer. Quand je suis fatiguée, que je rentre fatiguée, j'aime bien retrouver un appartement nickel. Voilà, voilà. Sinon, aujourd'hui, on a tout un programme. On doit emmener les enfants chez ma belle-sœur, dans le studio de ma belle-sœur, parce que Ayane ne l'a toujours pas vue. Elle veut absolument voir l'appartement de Tata. Donc, elle va aller voir ça. Et donc, ma belle-sœur va les garder à peu près une heure ou deux, parce que nous, on a un rendez-vous et puis on doit aller faire un petit achat. Donc voilà, on va en profiter pour qu'elle les garde. Ensuite, on va revenir les récupérer. Et normalement, on récupère aussi ma belle-sœur en même temps, qui va passer du coup donc la journée d'aujourd'hui et la journée de demain à la maison. Tant qu'à faire, puisqu'on va la chercher, ben, on la récupère sur notre chemin. Voilà, voilà, j'avais un colis à prendre avec moi. Mais je pense que là, ça ne va pas être trop le moment. Regarde, j'ai des choses qui traînent de partout. Ça, c'est Aya qui l'a fait. Qui l'a fabriqué. Il y a des choses qui traînent partout dans cet appartement. Sinon, vous, j'espère que ça va. J'espère que tout se passe comme vous voulez. Que tout va comme vous le souhaitez. D'ailleurs, ce matin, on a reçu aussi un colis. C'est mes beaux-parents qui nous ont envoyé un colis du Maroc. Je vous montrerai tout à l'heure. Il est là. Le colis est en attente ici. Je vais vous montrer. C'est un geste trop mignon. Et il y a plein de petites choses très gourmandes à l'intérieur. Je vous montrerai tout ça. Allez, c'est parti, je vais mettre ma doudoune parce que là, l'hiver, c'est bien installé. Il fait frisquer, de chez frisquer, j'ai oublié de prendre mes bottines. Je n'arrête pas. Quand je vais descendre, Maria va me dire, mais depuis tout à l'heure, on t'attend. Comment ça se fait que t'as pris autant de temps? Il va râler. C'est pas grave, il a l'habitude. Il a l'habitude que j'arrive toujours en retard. Tu sens de la fumée? Ça sent de la fumée, tu le sens? Non. Elle est là, Tata. Elle est là, Tata. Allez, Wail, elle est là, Tata, avance. Allez. Elle est là, Tata. Bon, ça y est. On a déposé du coup les enfants, mon mari est monté avec eux parce qu'il a un colis assez lourd. Mes beaux-parents ont envoyé aussi un colis pour ma belle-sœur et il est quand même très lourd. Donc il est parti lui monter ça et ensuite on y va. Normalement on aurait dû être en retard, à notre rendez-vous là parce qu'on a eu un petit peu les bouchons sur la route. Et en fait c'est la personne avec qui on a rendez-vous qui nous a finalement appelé pour nous dire que lui sera en retard. Donc... lui va être en retard au rendez-vous, donc tant mieux. Si ça vient de lui, c'est encore mieux. Donc finalement on va arriver pile à l'heure, ou même un petit peu avant, je pense, et on en a à peu près, je pense, pour une heure et demie, et on vient récupérer les enfants qui eux ont tout un programme après, tout un programme. Donc ce soir ça va être une soirée farniente, très farniente. Thank you.
vous retrouve bien, bien après. Je viens de rentrer à la maison. On a été à notre rendez-vous qui nous a pris énormément de temps et qui nous a mis en retard pour le reste. Mon mari est parti récupérer les enfants et moi, je suis rentrée en transport puisque lui doit aller dans une soirée spécialement faite pour les enfants. Il y va du coup avec mon beau-frère, donc avec son frère et les enfants de son frère. Donc là, les enfants vont avoir leur oncle et leur cousin pour une petite soirée. Normalement, ma belle-sœur aurait dû rentrer avec moi. Donc au début, elle avait annulé. Et finalement, elle a changé d'avis. Et du coup, là, elle est en train de me rejoindre. Elle a pris un taxi pour me rejoindre à la maison. Du coup, nous, on va passer une petite soirée tranquillou devant la télé, au calme, sans enfants. Ah, bah voilà! Je parlais de toi. Je parlais de toi. Elle vient d'arriver. Bah oui, elle a les clés. Du coup, elle ouvre toute seule, comme une grande. J'étais en train de dire que j'allais montrer le colis que Faïssa a reçu aujourd'hui. Bah oui. Vas-y, madame. Bon courage. J'ai reçu des olives. Nous avons reçu des olives. Ça sent super bon. Ça n'a rien à voir avec les olives qu'on achète ici. Des olives noires. Et regardez avec quoi je vais les accompagner ce soir. Avec du thon. Alors ça, c'est du thon à l'huile végétale. Et il y a plein de thon. Donc, ils nous ont envoyé des olives noires. Du thon à la tomate, sauce tomate. Du thon, alors ça, je ne sais pas. Thon toujours à l'huile, mais ils nous ont envoyé un petit mélange de thon à la tomate et du thon à l'huile. J'aime trop ce thon-là. Donc c'est parfait, ça va faire mon dîner de ce soir. On nous a envoyé des pois chiches. Vous savez, c'est des pois chiches qui se mangent comme ça. Ce n'est pas des pois chiches qu'il faut faire cuire, c'est des pois chiches qui sont déjà, en fait, sont grillés. Et ça, c'est trop bon. Il y a une chose qu'ils ont oubliée. Jeanne, il y a une chose qu'ils ont oublié de nous envoyer. Pour ceux qui connaissent Zrea. C'est les... comment ça s'appelle en français déjà? C'est une graine de tournesol. Ouais. C'est les graines de tournesol grillées. Et moi, j'aime trop ça. Mon mari aussi. On en raffole. C'est pas grave. Mon beau-père va bientôt arriver en France pour des vacances. Il va nous en ramener. Donc voilà les pois chiches. Qu'est-ce qu'on a reçu? Ah oui, on a reçu Tango. Ça, c'est... C'est des gâteaux du Maroc que mon mari aime beaucoup et apparemment les enfants aussi. On en a reçu tout un sac. Voilà. Alors, on a rien demandé. Hein. On n'a rien demandé du tout. Mais mes beaux-parents nous ont envoyé ça. Alors, regardez ce qu'on a reçu. On n'a pas reçu que ça. On en a reçu deux sacs. Alors ça, j'ai pas compris. On va ouvrir un marché noir de brosses de cheveux. J'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi autant, mais qu'est-ce qu'on a rigolé avec mon mari. On s'est dit qu'on allait ouvrir un marché noir. Mais en tout cas, c'est super gentil. À mon beau-père, voilà, il nous a envoyé des brosses comme ça. Et c'est vrai que ça, c'est ce que j'utilise pour les cheveux d'ailleurs. Et mon mari aussi aime beaucoup se brosser les cheveux avec ça. Donc voilà, là, on en a pour jusqu'aux 18 ans d'ailleurs. Voilà, jusqu'à ses 18 ans, on a de quoi faire. On a reçu du... Alors, comment ça s'appelle celui-là? Brique. Ça s'appelle comment? C'est Mérandina. Mais non. C'est écrit où? Parce que moi, j'ai reçu Mérandina. C'est ça. Pardon. Non, c'est ça. Bon, on a reçu aussi ce Tango, allez. On a reçu aussi plein d'autres gâteaux. Du thé. Ah non, on n'a pas eu des mêmes. On a eu deux packs de thé comme ça. J'arrive pas à attraper l'autre. Bon, j'arrive pas à attraper le deuxième. Et on a... Non, on en a reçu trois. T'as eu du thé toi ou pas? Puisqu'on a tous... En fait, ils ont trois enfants. Ils ont deux garçons et une fille. Chacun a reçu son colis. Du coup, qu'est-ce que t'as reçu de plus que nous? Un seul par contre. Eh, toi un seul, nous on en a eu trois. Mais voilà. En même temps, elle ne boit pas beaucoup de thé. Donc, c'est tout à fait normal. Et on a reçu, bien sûr, le plus important, de l'huile d'olive. Et là, par contre, on a reçu... Alors, moi j'ai le mien et mon mari, il a le sien. Chacun son huile d'olive, puisque mon mari, j'ai l'impression qu'il le boit. Voilà, et l'huile d'olive du Maroc, ça sent déjà depuis la bouteille. Et comme ça, chacun a sa bouteille. Personne n'embête personne. Je ne partagerai pas avec lui, il ne partagera pas avec moi. Voilà. Bon, le sien, je l'utiliserai pour toute la famille. Okay. Le mien pour vous. D'accord. Voilà, on va faire ça comme ça. Je vous retrouve seulement le lendemain. Hier, je vous ai laissé du coup. On a passé la soirée avec ma belle-sœur à papoter, à se raconter plein de choses. Étant donné qu'on ne s'est pas vu pendant toute la semaine, on avait beaucoup de choses à se raconter et à se dire.
Et là, je vous retrouve le lendemain en pleine préparation du petit déjeuner du matin. Comme toujours, le week-end, on aime bien se retrouver tous autour d'un bon petit déjeuner bien complet. C'est notre rituel de famille. C'est lire déjà, parce que là, tu sais pas trop lire, toi. Si. Oh. Alors. Mets-moi ça. 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 Sol. Sol. Pourquoi tu m'as pas dit ce que tu... Mais le E à la fin, il est muet, Aya. Oui, mais tu m'as pas dit. Le E à la fin, c'est quasiment toujours muet. Avant de m'installer à table pour le petit déjeuner, j'avais mis dans une casserole deux carottes à cuire dans de l'eau pour qu'elles soient bien fondantes. Donc j'avais mis ça à feu doux pour que ça ait le temps de cuire tranquillement. Et par-dessus la casserole avec de l'eau et les carottes, j'ai mis une assiette dans laquelle j'ai mis 200 g de chocolat noir pour que le chocolat puisse fondre au bain-marie. Et ensuite, une fois que le petit déjeuner était terminé, je suis passée faire mon brownie au chocolat et à la carotte. Il est excellent, vous ne sentez absolument pas le goût de la carotte, il est vraiment très léger et très 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 bon. Donc pour ça, on a besoin de deux carottes cuites à l'eau, 200 g de chocolat noir fondu. On a également besoin de sucre et donc je vais commencer ma recette en utilisant de la cassonade. Si vous n'en avez pas, vous prenez du coup du sucre blanc. J'ai besoin de 70 g de cassonade et 3 œufs et je vais venir du coup travailler la cassonade avec les œufs pour blanchir le tout. D'ailleurs, moi, je vais utiliser un four électrique. Celui-ci, d'ailleurs, vous l'avez en barre d'informations si jamais il vous intéresse. Moi, je l'ai pris il y a très longtemps de ça sur Amazon et je l'ai depuis. Ça doit faire au moins 6 ans maintenant que je l'ai. Il n'a pas bougé vraiment. J'en suis très, très contente. Et si vous n'en avez pas, vous pouvez tout simplement utiliser votre fouet manuel. Ça fait très bien l'affaire. Une fois que j'ai bien mélangé le tout, je vais rajouter du coup mes 100 g de farine. On a besoin de 100 g au total. Je rajoute également mes deux carottes cuites à l'eau et bien écrasées. Donc comme vous l'avez vu, je l'ai fait tout simplement avec une fourchette, mais vous pouvez les passer au mixeur si vous le souhaitez. Sachez que quand le tout est bien cuit, eh bien vous ne ressentirez absolument ni le goût, ni l'aspect de la carotte, rien du tout. La carotte va remplacer tout ce qui est matière grasse, l'huile, le beurre, etc. Comme vous voyez, je n'en ai pas du tout dans la recette. Ça remplace la matière grasse. Et du coup, le gâteau est beaucoup plus léger, beaucoup plus digeste et vraiment meilleur. Donc, je mélange bien le tout. J'incorpore bien la farine, le sucre, les œufs et les carottes ensemble. Et une fois que c'est fait, eh bien, je vais venir rajouter un sachet de sucre vanillé. Et je vais également rajouter un sachet de levure chimique.
Ensuite, je vais également rajouter du coup le chocolat que j'ai fait fondre au bain-marie. Encore une fois, je vous conseille vraiment de faire fondre votre chocolat au bain-marie plutôt qu'au micro-ondes. Parce qu'au micro-ondes, vous êtes obligé de rajouter un petit peu de beurre pour ne pas que ça brûle, etc. Alors qu'au bain-marie, c'est excellent et ça prend très 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 peu de temps. Et ensuite, je vais venir du coup bien mélanger le tout. Vous allez voir, une fois qu'on aura mélangé avec le chocolat, tout le mélange va devenir noir tout simplement comme un vrai brownie. C'est les seuls ingrédients, comme vous voyez avec moi. Il faut très très peu d'ingrédients pour le gâteau. C'est des ingrédients qu'on a tous à la maison. Très facile à trouver et pour un gâteau excellent et fait maison. Comme vous le savez, moi je n'achète quasiment plus de gâteaux du commerce pour la maison. Maintenant, je fais vraiment du 100% maison. J'achète des petits gâteaux seulement pour les goûter de l'école. Ou alors quand on a des sorties, etc. Mais à la maison, on ne mange que des gâteaux maison. D'ailleurs, je vais vous montrer une petite astuce si jamais vous ne la connaissez pas. Pour mettre du coup votre papier cuisson dans votre moule. Moi, j'ai un moule en fait qui ne se serre pas très bien. Et du coup, la pâte parfois dépasse un petit peu des bords et j'en ai partout dans le four. Donc comme vous voyez, j'ai pris du papier cuisson que je suis venue plier en quatre comme ceci. Ensuite, je fais en sorte d'avoir en fait la pointe à peu près au milieu de mon moule. Vous voyez, c'est juste un petit peu à vue d'œil. Il faut que la pointe soit au milieu du moule. Et une fois que vous allez déplier en fait votre pâte, ça va être pile à la taille normalement de votre moule. Donc, vous le pliez tout simplement en quatre. Vous faites un triangle et vous faites comme ceci. C'est beaucoup plus pratique et quand je fais ça, ben du coup, la pâte forcément ne coule pas puisque le papier cuisson ferme les rebords du moule. Et ensuite, je vais mettre ma pâte dans mon moule et direction le four. Je vais faire cuire le tout à 180 degrés pendant 30 minutes. 30 minutes à 180 degrés. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez ou pas, je vous avais dit que mon four était tombé en panne, qu'il ne faisait plus du tout cuire, etc. Eh bien, du jour au lendemain, il a décidé de reprendre vie et depuis, il fonctionne très très bien. Ça va bientôt faire 11 ans qu'on l'a et il se porte toujours aussi bien. J'ai d'ailleurs pris quelques noisettes que j'avais, que j'ai fait griller un petit peu au four. J'ai mis au four 5 minutes à 180 degrés et je vais venir décorer du coup mon gâteau avec, puisque c'est un brownie. Alors d'habitude, je ne fais pas ça, mais là, j'avais un tout petit sachet, vraiment un tout petit sachet de noisettes. Je les ai fait griller, ensuite je les ai concassés tout simplement avec, avec un verre. Et ensuite, je vais venir décorer avec. Et ça donne un aspect un peu plus différent de ce que je fais d'habitude. En général, je laisse le gâteau tout simple comme ça. Je mets un petit peu de sucre glace par-dessus. Et là, aujourd'hui, j'ai décidé de changer un petit peu. Surtout si vous n'osez pas mettre les courgettes, les carottes, etc. dans vos gâteaux, essayez au moins une seule fois, vous allez voir. Ne dites pas à vos enfants qu'il y a des légumes à l'intérieur et vous allez voir, ils vont y voir que du feu. Moi, je vous avoue que je ne le dis jamais aux enfants parce que j'ai peur que ça les robuste. Et ils adorent ce style de gâteau, ils les trouvent légers et ils aiment beaucoup. Donc voilà l'aspect que ça donne juste avant de le mettre au four. Et c'est parti pour 30 minutes de cuisson, on se retrouve après les 30 minutes. 30 minutes plus tard, voici du coup le gâteau sorti du four, bien craquelé et bien cuit. Donc je vais le démouler. Non seulement déjà le moule est complètement propre, pas besoin de retirer tout le gâteau qui a collé avec le papier cuisson, c'est vraiment beaucoup plus pratique. Donc je vais le démouler avec vous et je vais vous montrer vraiment sorti du four exactement ce que ça donne. Et vraiment avec les petites noisettes, ça lui donne ce petit côté encore plus gourmand. C'est délicieux. C'est d'ailleurs une recette que je vous ai déjà partagée il y a quelques temps de ça, donc qui est très très simple encore une fois, mais que je vous ai déjà partagée. Et pour toutes les nouvelles personnes qui ne l'ont pas vue, eh bien j'espère de tout cœur que vous allez l'essayer, me dire ce que vous en pensez. Encore une fois, c'est un gâteau qui est très léger. Et si vos enfants sont comme les miens et qu'ils adorent le chocolat, ils vont adorer celui-ci, puisque vraiment, ça se mange très très bien. Sur ce, j'espère de tout cœur que cette petite recette vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, bye bye et à très 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 bientôt pour une nouvelle vidéo pour d'autres recettes. Bye bye.